Yo les Croz, comment allez-vous? Toshi, je te dis bravo, tu arrives à l'heure. Eh ben comme quoi, tout peut arriver dans la vie. J'ai mangé du poisson, c'était chouette. Ça va, vous avez passé une bonne journée? Ça va et toi? Oui, moi ça va, j'ai passé une bonne journée. C'était cool. Je paramètre un peu le live là avec Rose. Dites-moi si le son du jeu ne va pas trop fort. Comparé à ma voix, comme d'habitude, hein, les petits réglages du début. J'ai l'impression que ta voix est forte. Ouais, impec. Ouais, si ma voix est trop forte, faut me le dire aussi. Hein. N'hésitez surtout pas. Salut Tiplouf, alias le traducteur Lilith. Une journée de cours à faire sport sous la pluie, nickel. Merde. Le son est plutôt cool, non le son ça va, ok, parfait. On n'aura pas réglé ça. Alors aujourd'hui, Croz, on se retrouve sur une custom story d'Amnesia qui s'appelle Gary Dark Secrets, qui est censé être assez terrible pour l'histoire. Je vous l'avais déjà raconté dans le live précédent. On fait une petite fête chez nous. Voilà, on vit dans un grand manoir, on décide d'inviter nos potes. Et après la fête, figurez-vous qu'on se réveille seul. Tous nos amis sont disparus et tout est cassé, comme vous pouvez le voir dans le fond là. Tout est cassé, on comprend pas trop ce qui se passe. Encore une fois, la custom story sera en anglais ce soir, donc je compte sur Tiplouf pour m'aider à traduire... Eh bien, les notes, et puis tout ce qu'on verra dans la langue anglaise, hein, parce que ça va être compliqué pour moi. Bref, voilà, j'espère que ça va vous plaire, les Croz. Écoutez, on commence tout de suite, et le problème, en fait, c'est que j'ai rien d'autre de prévu ce soir. J'ai juste cette custom de prévu pour ce soir, donc écoutez, je sais pas. Je sais pas si on va tenir 2 heures avec cette custom, en tout cas, on va essayer. Le son est bon. Ok. Comme j'ai oublié le live, j'ai oublié de faire mes cookies. Honte à moi. Ah ouais, honte à toi, ouais. Attends, des cookies, c'est trop bon, ça. Tu peux m'en faire, ouais. Tu peux me les envoyer, mais je t'enverrai mon adresse. Tu m'enverras ça. J'ai trop envie de cookies. Allez, c'est parti. Wake up. Let's go. Salut Watt. Salut Atori. Let's go. Team Seda present. Gary Dark Secrets. Hey. That's enough TV for me. I should go and meet up with Nick so we don't miss this party he's been talking so much about. Although I have my suspicions that this party's going to blow. We're going to party at an old mansion? Sounds more creepy than fun. It's probably going to be dark too, and Nick knows I hate that. I better bring my flashlight and some batteries just in case. They should be in my desk. Alright, alright, alright! Bon, alors, de ce que j'ai compris, on était en train de regarder la télé, il y a une fête qui se passe en bas, et voilà, c'est tout ce que j'ai compris. Bienvenue Margot Soul. Bienvenue à toi. Donc voilà, c'est Tiplouf, je compte sur toi, s'il te plaît, Tiplouf. Tout repose sur toi. Ah bah nickel, on a déjà trouvé la lampe. Et en fait, ce qui est cool, les Croz, dans cette custom story, c'est que c'est un peu une custom à part, c'est-à-dire que... Comment vous expliquer ça? Au niveau de la lampe, par exemple, on n'aura pas une lanterne. Comme dans Amnesia et toutes les customs, on aura une lampe torche. Et c'est tous des petits détails comme ça qui font l'originalité de cette custom story.
je t'en ferai de suite, je t'enverrai la photo et tout, je ferai même une vidéo. Cool, May. Ok, donc on va fouiller vite fait dans notre chambre. Voilà, vous voyez, on peut toujours trouver des choses assez sympas. Ok. Là, c'est bizarre, même le personnage se manie différemment des customs, c'est bizarre. Le gameplay est totalement différent. Bien. Bien, écoutez, j'ai envie de dire, allons-y. Fermé, cool. C'est quoi le jeu? Oui, je suis la fille qui a rien suivi, comme d'habitude. C'est une custom story d'Amnesia qui s'appelle Gary Dark Secrets. Qui est... oh putain, attendez, c'est pas un bug de c'est pas un bug de texture, ça? Regardez, on voit l'intérieur des meubles. Comme là, je sais qu'il y a un violon dedans, tu vois. Hop, voilà, un violon. J'en étais sûr. Comment je l'ai deviné? Simple don de voyance. Ok, alors on va essayer de sortir de là. Parfait. Dude, you know I hate it when it's dark. Stop being such a pussy. I'm sure it's brighter inside. Oh, you better be right about that. Oh, well, woo, yeah. I will protect you from all the evil ghosts. Fuck you, man. See, this isn't so bad. You're right. It's actually kind of cozy. C'est pas mal, hein? I think the living room is this way. Putain, et il est super beau là. J'ai l'impression que même les textures elles sont différentes. 4 heures plus tard. Alors il y a un petit résumé, je lis vite fait de l'histoire de Clarisse, donc qui est à peu près. Wouh hey. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une fête, donc Nek lui parle tant alors il arrête de regarder la télé pour y aller, même si Nek sait bien qu'il déteste les manoirs. D'accord, très bien. Allez, on boit un peu les crozes. C'est la fête ce soir. Allez, on se bourre la gueule. Sweet dreams, you little drunk. Ok. Oula, écoutez. Oula, ça sent pas bon. Oh, oh, je crois que le monstre d'Amnesia est... a fait partie de la fête. Je me demande comment fait Tiplouf pour traduire, parce que dans le jeu il parle tellement, du coup j'oublie ce qu'il a dit. Non mais carrément, par exemple, je comprends pas non plus. Tiplouf a un secret, je sais pas ce que c'est, mais il a un secret. Ok, attendez, là ça devient sérieux là. Oh shit! Oh! Ah! Oh shit! Oh god, what a nightmare! Oh, I really must have drank a lot last night. Oula! Oh, but that rumbling I just heard sounded too real for a dream. I better check what's going on. Ok, bon, je vais faire un petit résumé avant de commencer cette custom pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Clarisse Crow, je crois, je sais plus. On m'a fait un petit résumé, donc en fait on était chez nous en train de regarder la télé et on a été invité donc à une fête qui se déroule dans un manoir, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un magnifique manoir. Et donc voilà, on s'est amusé, on a bu, on a vomi, enfin c'était cool quoi, tu vois, c'était super bien. Et là voilà, il y a quelque chose, donc on sait pas si c'est un rêve, en tout cas le mec qu'on incarne, donc je crois qu'il s'appelle Nick, a dit que ce rêve, enfin ce cauchemar paraissait très réel. Donc on va aller voir ce qui se passe s'il y a toujours la fête en bas. Donc nous on a décidé de, comme on a trop bu, on a décidé de, eh bien de se reposer dans cette magnifique chambre. Voilà, c'était un peu le résumé de ce début de... Ah bah la lampe, nickel. C'était un peu le résumé les crozes. Tiplouf, tu sais bien lire l'anglais. Les jumeaux nus sont de retour. Quoi? D'où qu'il y a des jumeaux nus. Ok, c'est vraiment bien foutu la lampe là. J'aime bien. Ok, on y va. Blood. Whoop. Why is there blood everywhere? Ok. Oh. Ce n'était donc pas un rêve. C'était réel. Whoop. Désolé le verre. Jeté. J'ai pas fait exprès. What the fuck?
Ok. Bon bah écoutez, Cross, ça a l'air charmant, hein. Là on dirait que la fête s'est bien déroulée. Ouais, il y a du sang partout. Bon écoutez, c'est bon, on se casse. On va suivre le sang, il y a une traînée de sang. Ah non, mais faut pas faire ça, les gars. What the hell was that? Oh mon dieu. Thierry, viens à la fête. Charles. Ok. On va fouiller ces petites armoires. Alors par contre, je sais pas si on a de batterie pour cette lampe. J'imagine que oui. Ouais, ça doit être ça. La batterie, c'est ça, d'accord. Donc on a bien une batterie. Ouais, batterie. On en a une dans l'inventaire, donc c'est plutôt cool. Let's go. En tout cas, ce manoir est totalement flippant de merde. Ah, le génie. Ça fait longtemps, génie. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, génie. Ok, génie. Je te garde près de moi, parce que là franchement, là, je flippe, tu vois. Oh, regardez, il y a encore un mort, là. Oh, mon Dieu, la tête qu'il a, lui. T'as vu ça, génie? Non, ne lui caresse pas les cheveux, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais? T'es malade ou quoi? Ok, on va à l'étage. Allons à l'étage. Oh! Pardon. On va essayer de garder notre lampe éteinte le plus longtemps possible pour garder nos batteries. Je te pose là deux petites secondes histoire de fouiller ce petit bureau. Ah, Tiplouf nous a fait une petite traduction. Regarde, on a récupéré une clé. Alors, la traduction de Tiplouf. Oh mon dieu! Ouais. Alors, par contre, il n'y a pas d'armoire. Si, il y a une armoire pour se planquer. On va aller dans l'armoire et on va lire la traduction de Tiplouf. Alors, notre personnage avec ses amis font une fête dans un vieux manoir. Et ils se taquinent sur le fait que c'était un peu sombre. Sauf que notre personnage avait un peu trop bu, donc ses potes l'ont allongé sur le lit. Puis s'est fait réveiller par des cris. Pensant avoir trop bu, il décida d'aller vérifier ce qu'il se passe. Merci beaucoup, Tiplouf. Tiplouf, tu es génial. Merci beaucoup. J'ai oublié, monsieur le génie. Tu viens avec moi. Tu dois connaître Bibix, si je ne me trompe, Hazard Twitch. Ah, c'est possible, ouais. Il y a des chances, ouais. Ok, c'est fermé. Ne t'en va pas, reste avec moi. Ok, le mort est toujours là. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va essayer de retourner en arrière, donc, vu qu'on a chopé une clé. Écoutez, pour l'instant, elle a l'air vraiment top, cette custom, hein. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est la meilleure que j'ai faite, mais pour l'instant, vraiment... Ah, désolé. Ok, ça doit être elle. Ouais. Oh putain, il m'a fait peur, ce con. On y va. On y va, on y va, on y va. Wow, regardez, on se croirait dans Layers of Fear. Oh mon dieu. Ouais, sympa. Toi, tu dégages. Alors, j'entends des bruits qui viennent de ma gauche, ça me rassure pas trop. Oh, il y a une note à terre, attendez, on va la lire. Je crois que ça, il y a moyen que je le... Il y a moyen que je le traduise. Alors, attendez. Il y a un secret sur la route that leads out of there. Qui veut... Il faut que je parte d'ici. Bon, en fait, ma traduction est totalement foire. C'est même pas la peine. You can find the lever down in the studio. Tu peux trouver le levier dans le studio. Go eat. Donc, vas-y. La lettre semble... Ah ok, la lettre est arrachée, donc je ne peux pas lire la suite malheureusement, très bien. Ok. Hop. Allez, on continue. Coucou toi. Oh mon dieu, une bibliothèque. Mais arrête de faire du bruit. Je vais te lâcher, hein. Fais encore une seule fois du bruit, je te lâche. Oh mon dieu. Ok, t'as encore fait du bruit? Dégage. C'est le bruit de génie. Ah, ici. J'entends des bruits là, y'a quelque chose ou quoi dans cette bibliothèque? Non, y'a l'air de rien avoir, hein. On va descendre. Coucher toi, hein. C'est quoi, je vais te rejeter par là, voilà. N'importe quoi. Ah, y'a peut-être un truc sous l'escalier, non? Non, pas de bol. Elle a l'air bizarre à souhait, cette custom. Non mais carrément, mais elle a l'air super originale, moi j'aime bien. Bon, y'a clairement des bruits, hein. Je veux pas paniquer, je veux pas vous faire peur, mais...
Mais il y a des bruits. Hop. On va ramasser un maximum de tinderbox hein, pour les bougies. Parce que je sens qu'on va être vite en panne de batterie, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Jésus, tu viens avec moi, Jésus. Tu seras peut-être plus silencieux que Monsieur le Génie. Oh putain. Je te passe ici. Écoutez! Vous entendez? Bienvenue, Monsieur le Panda! Bienvenue, merci pour le follow! Attendez, je vais juste vous ajouter les nouveaux follow. C'est vrai que j'y pense jamais. Je n'y pense jamais. Alors, est-ce que je peux, en fait? Est-ce que je peux vous ajouter? Oui, je peux. Hop. En tout cas, bienvenue, Panda et... Et je sais plus qui, juste avant. Merci à vous deux. Bienvenue. Allons, continue. Sudai. Bah, nickel, on va pouvoir actionner le levier. Fait mal au génie. Il fait du bruit cet enfoiré. Désolé pour la note, peupatrade, le live s'était coupé à ce moment. Ah, c'est pas grave, petit plouf. Alors oui, par contre, ouais, j'ai oublié de vous dire, les crocs ont début... Oh putain, il fait sombre ici. Attendez, on va allumer une... Oh putain, attendez. Faut que je me pose pour parler. Voilà, on va allumer cette bougie, on va prendre les batteries. Ouais, donc avant de commencer le live, j'ai oublié de vous dire que j'ai énormément de problèmes de connexion aujourd'hui, enfin dans la journée, j'ai eu pas mal de soucis. Donc il est possible que le live lag un petit peu, j'en suis désolé d'avance. Le live ne va peut-être pas être très fluide ce soir. Je suis désolé, mais je n'y peux absolument rien. Ok, donc ici c'est le gros bordel. Toi, tu dégages. Ok, y a rien. Oh putain, ça se rapproche les crozes. Au hasard, Jean-Louis, Charles, arrête Charles, arrête ça. Merci hasard. Oh mon dieu, tu vas me faire mourir de rire mec, c'est pas possible. Ok, y'a rien dans cette putain de piole, on se casse. J'ai rien à foutre ici, moi. Ok, alors y'a des bruits qui viennent de derrière cette porte. Donc du coup, je vais aller voir celle-là. Ok, j'ai compris, ok. Ok. Ah, on est bien près du feu, les crozes. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on restait là pendant tout le live et qu'on parle comme ça, qu'on blablate un peu, ça vous tente? Ça lag un peu, oui. Bah, je suis désolé, hein, vraiment. Devant le live de Toshi, je suis obligé de me nourrir un minimum. En plus, j'ai presque rien à manger ce soir. Bah, écoute, May, mange tes cookies. C'est bien. Ne partage pas, surtout. Je retiens. Ne t'inquiète pas, je retiens. Y a rien ici? Alors j'aime bien parce qu'il y a des customs comme ça où ils mettent des pièces. Ils mettent des salles, mais en fait il y a que dalle dedans, tu vois ce que je veux dire? Bon, du coup on va essayer d'aller à cette porte. Il y avait du bruit derrière, donc écoutez... Wow! Sympa! Sympa la déco. Ah! Putain, il suffit que je tourne la tête vers le chat pour qu'il se passe un truc, quoi. Faut arrêter les gars. J'ai raté quoi? Tu as raté plein de choses, Diable 59. Tu as loupé plein de choses. Ah, le levier, il est là. On l'a. Oh, yes. Hey. C'est bon, on a géré. Par contre, on n'a plus de batterie, on va en rajouter. Bah, deux, du coup. Voilà. Je vais fouiller ce bureau vite fait. Que dalle. Ok. Bon, du coup, j'ai actionné un levier, mais je sais pas du tout ce qu'il a déverrouillé, en fait. Je sais pas du tout ce qu'il a déverrouillé, ce putain de levier. Putain, mais on est où, là? Ça fait flipper. On est dans la cave, en fait. Dans la cave du manoir.
J'aimerais bien retrouver mes potes, moi. J'espère qu'ils sont pas tous morts. Hein. Il y avait un truc sur le canapé Toshi. Ah merde! J'ai pas fait gaffe. Ah d'accord, on est tombé d'ici. Alors ouais, mais le problème là, tu vois, c'est que bon, je fais comment pour repasser de l'autre côté? Faut que je crois que je suis obligé de retomber en fait. LoloGamer33980, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'actionnais avec ce putain de levier là? Attends. Ça y est, on va commencer à être bloqué les crocs. Ça y est, ça commence. Je vais m'énerver moi. Voilà, le levier ici, on est d'accord, donc je l'actionnais, donc il faut que je retourne en arrière. À gauche, il n'y a que dalle. Il n'y a que cette porte, donc on va aller vers cette porte. Nous allons longer ce magnifique couloir. Tes potes sont tous morts probablement. Bah écoute, ouais, hein, c'est fort probable. Hein. C'est fort probable. Putain, je suis en train de niquer ma batterie depuis tout à l'heure, c'est pas bon ça. Attendez, il y a sûrement un truc que j'ai pas compris. Il faut que j'aille là-bas, c'est certain. Il faut que je retourne là-bas. Putain, il y a des bruits derrière moi. Comment je peux faire là? Je peux pas sauter sur les rochers là. Oh! Attendez! Oh! Aïe! Merde! Voilà, je me suis pété la jambe. Bien joué, Toshi. Putain, c'est de pire en pire. Hein. Je suis vraiment désolé, Toshi, mais je ne reste que ce. Eh, je ne reste seulement jusque 22h, je bosse, sniff sniff. Bah écoute, c'est pas grave, Québec, hein. Je vais pas t'empêcher d'aller bosser, hein. Bon, là par contre, ça va vraiment pas le faire. Il faut vraiment que je trouve une solution. Enfin, plutôt un déblocage. En fait, j'ai pas lu la phrase en anglais qui est apparue quand on a débloqué ce levier, ouais. Il y a eu une phrase en anglais, Tiplouf, s'il te plaît. Le jeu est vraiment pas mal, je trouve. Carrément! Carrément, là, j'aime bien. Juste que je suis un peu bloqué, là, je suis vraiment désolé, mais... On va prendre notre pote Jésus, il va peut-être nous aider à nous débloquer. Ah non, lui, il veut fermer la porte, d'accord, il veut pas que je sorte, Jésus. Bon, très bien. Ah, mais si, regardez, le trou, il est là. Wow! Jésus essaie de nous montrer la voie. Non, il n'y a rien derrière cette armoire. Alors, attendez. Soyons un peu intelligents. Il faut que j'aille ici. Bordel. J'aime pas être bloqué en live. Parce que tu vois, quand tu fais des vidéos, tu peux te débloquer, même si ça prend une heure, tu vois. Mais en live, tu peux pas. Enfin, t'es obligé de te dépêcher de te débloquer, tu vois. Bon, si quelqu'un trouve une solution, je suis preneur. Hein. Une jambe cassée, une. Toshi, si je meurs avant la fin du live, c'est normal, je suis en train de m'étouffer, je fais que de tousser. Ah bah d'accord, bot. J'ai l'impression que tout le monde est malade en ce moment. Faut que tu remontes le chat, je te l'ai écrit. Ah, attendez, Tiplouf a écrit la solution. Je vais remonter le chat. Je crois l'avoir fait, il faut revenir à la salle des archives. Bah écoute, j'aimerais bien revenir à la salle des archives, Tiplouf, mais je sais pas comment. Je sais pas comment, Tiplouf. Non, il doit y avoir un délire ici. C'est pas possible autrement. Putain, on va retenter de marcher sur les rochers. Mais franchement, je pense pas que ça soit la solution. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Allez, monte! Putain, il veut plus monter, quoi. C'est tout con, je sens que c'est tout con. Je sens que la solution est toute conne. Hein. Regardez. Putain, je vais faire le boulet, je le sens. Ah ouais! Bim! Bitch! C'était ça qu'il fallait faire, du coup. Bah, c'est bon, c'est débloqué. Ok. Bon, très bien. Et je n'ai plus de batterie, par contre. Hein. Ça, c'est la merde. Nickel, on s'est débloqué. Cool. Donc, il faut qu'on retourne à la salle des archives. C'est parti. Fermé. Alors, la salle des archives, ça doit être ici, je pense. Nope. Non. C'est pas là. Putain, le manoir a la classe, en tout cas. Hein. C'est pas de la... Holy shit! Ok. Du calme. Il y a des bruits d'insectes. Je cours. Je m'envole.
Il m'a fait peur, ce con. Oh. C'est quoi ces bruits de pas là? Faut arrêter les gars. Et j'ai plus de batterie, merde. Alors ce que je vais faire, c'est juste que je vais augmenter un peu la luminosité du jeu. Voilà, vu que j'ai plus de batterie, on va essayer d'en profiter un max. Archive. Nickel. Monstre en vue, exactement. Hop, je vais ajouter les follow. Bon, en tout cas, on est presque certain qu'on va rejoindre. Qu'on va recroiser cette espèce de monstre chelou là. Allez, let's go. Ok. Alors, c'est chelou parce qu'il y a vraiment des bruits d'insectes que j'aime pas trop là. C'est Monsieur Bolos. Qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Bolos, encore? Pas possible, celui-là. Ok. Bon, je sais toujours pas à quoi ce putain de levier a servi. Écoutez, on va remonter, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Putain de saloperie de tableau de merde. C'est quoi? Je veux voir ce dessin. Je veux voir cette peinture. Ah, voilà. Alors, c'est quoi? C'est un magnifique regroupement de Baphomet à Jérusalem. Ça devait être des paysans à l'époque de Jésus. Je sais pas, en tout cas, c'est voilà, c'est de l'art contemporain. J'aime ça. En tout cas, il m'a fait peur, ce con. Ouais, vous avez vu, je l'ai bien rangé. Je vais le ranger près du soldat. Voilà, là, c'est bien. Là, tu vois, c'est cool. Là, j'aime bien. Allez. Holy shit. Alors les mecs, ils ont quand même mis une bibliothèque sur une bibliothèque. Chelou leur trip de déco là. Allez, on retourne à la fête. C'était ici, non? Ouais, c'était ici. Oh là, regardez les corps démembrés, quoi, c'est horrible. Regardez-moi ça. On va prendre le bras de Thierry, tiens. Thierry, t'as oublié ton bras? Wow, c'est beau ici. On est déjà venu, non? Ouais, il y a le corps, là. Lui, par contre, je le sens pas. Je sens qu'il va se réveiller. Oh, il bouge! Attends! Il bouge! Il essaie de nous dire quelque chose. Regardez. Il est pas vraiment mort. Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Regardez, il bouge encore. C'est flippant. On va le laisser tranquille. OMG, Toshi qui a peur des tableaux. Attends, en même temps, il m'a fait flipper, ce con, là. Ouais. Alors, attends. Oh, regardez, il y a des pieds sous le lit. Il y a des pieds sous le lit. Très bien. Bon, je suis un peu paumé. Ce manoir est gigantesque. On va reprendre Jésus. On va aller par là. On va aller ici, les creuses. Il y a des bruits autour de moi, franchement, j'aime pas du tout ça. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ok. C'est une bibliothèque, du coup. Une bibliothèque. Thierry, non mais vraiment, ton bras, tu aurais pu le ranger, zut. C'est clair. N'importe quoi, hein. Coucou les gens, je m'incruse. Salut Valentine Crow. Donc là, comme tu peux le voir, je suis bloqué pour la deuxième fois. En fait, j'actionnais un levier tout à l'heure, ce qui m'a permis de débloquer certainement un passage quelque part. Le problème, c'est que je ne trouve pas le passage. Aussi, tu as laissé le titre The Evil Within. Ah ouais, merde, attendez, il faut que je change ça. Et vous savez quoi, la dernière fois, le dernier live que j'ai fait,
J'avais joué à Evil Within justement, et j'avais laissé Daisy en jeu, du coup c'était n'importe quoi. Attendez, je vais mettre Amnesia du coup. Voilà, c'est fait. Merci de me l'avoir dit en tout cas, Lolo. À chaque fois je zappe de changer le jeu dans la description. C'est vrai que j'y pense jamais. Bon, écoutez, je suis bloqué, ça m'énerve. J'aime pas être bloqué. Le live en tout cas a l'air stable pour l'instant. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis, donc c'est plutôt cool. Bon, faut vraiment que je trouve où aller parce que là ça va pas. Écoutez, on va remonter. En tout cas, il n'y a rien en bas. Je pense avoir tout fouillé en bas. Ah, oh putain, je me suis débloqué. Je suis même pas au courant quoi. Ok, on s'est débloqué les crozes. Non. You must still love the... Quoi? Je suis mort. C'est quoi cette blague? D'accord. Oh bah on recommence hein. Oh mon dieu. Allez. Merde, je me trompe de porte. C'est pas cette porte aussi. C'est pas cette porte. Ok. Mais non! Attendez, là je comprends pas. À droite, t'as laissé une barre d'outils. Alors attends. Ok, on s'est débloqué les crozes, la blague. Attends, je comprends pas, attends. Alors attends, j'ai laissé une crowbar, c'est ça? Alors attends. Where is the crowbar? Là. Ouais. Il l'a dans le fion, les crozes. On l'a eu. Eh bon, il nous a tué deux fois, mais on l'a eu quand même. Non mais là, ce qui est énorme, en fait, c'est que j'ai pas tout compris, tu vois, parce que j'étais bloqué, on est d'accord. J'ai marché, et je me suis débloqué. C'est-à-dire que je suis passé par un passage que j'avais même pas fait gaffe, enfin, c'est n'importe quoi. Oh! Il y a quelqu'un. Oh. Oh, planque-toi, ouais, bonne idée. Ça doit faire mal. Ouais, ça devait être un de notre pote. Il essayait de s'enfuir, mais il s'est fait choper par le monstre. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Le gros bâtard, c'est... Pourquoi pas, hein, mon pote s'est fait bouffer, pourquoi pas, hein. Allez. Du coup, on va pouvoir fouiller tranquillement. Ok. Ok. Il y a une petite musique au piano, là. Ah, oh, voilà le bras de Thierry. Il est partout, lui, hein. Il est partout, ce bras. Ah, le bruit que ça fait, c'est horrible. Alors, on va allumer une petite bougie. Hop. Olé ! Rattrapage. Bon, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, nous sommes encore bloqués, Cross, c'est magnifique. Bon, il faut forcément péter ces bouts de bois, donc il nous faut forcément un marteau. Essayons de trouver ce marteau. La charcuterie ouvre de la viande de qualité, ne manquez pas ça. What? Ah, voilà, un surin, parfait, c'est ça qu'il nous faut. Pick-up stone chipper, c'est ça qu'il nous faut, les crozes. Pour péter le bois. On va aller péter le bois. Allons péter le bois.
Ah, Tiplouf, résumé, il était en train de dire qu'il faut faire moins de bruit et se dépêcher, mais il s'est fait tuer, d'accord. Donc ça devait vraiment être un de nos potes qui essayait de s'échapper de notre... Merde, ça marche pas. Ah, merde, putain, j'étais sûr... Ah, attendez, non, c'est pour la porte. Voilà, c'est pour la porte, c'est ici. Ouais, parfait. Yeah, rentrons là-dedans. Oh, oh, joli, oh. Yeah. Il y a tout qui s'allume. Ah, tout va bien. Je suis en vie, vous inquiétez pas, je suis en vie. Génial, des piles. Ça va nous aider vachement. On va recharger. Oh mon dieu, il m'a fait flipper. Enfoiré. Hop. Ah, le marteau est là. Non, c'est pas le marteau. Quentin The White, bienvenue Quentin The White. Bienvenue à toi, poteau. Merci pour le follow, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Oh, une jolie clé, les crosses. Bah, parfait, ça. Pick up upper living room key, yeah. Alors, ça doit être la clé de cette porte, j'imagine. Ouais. Toshikro, moi qui te suis depuis un moment sur YouTube, ah, mes messages quotidiens me volent enfin. Ah, mais cool. Bienvenue, Quentin. Merci de passer sur le live, en tout cas. Allez, on continue. En tout cas, il y a cette musique au piano qui ne s'arrête pas. Wow. Ah, attendez. Wow, attendez. Attendez. Donc là, il y a une porte, on est d'accord. On va plutôt aller ici, tiens. Ça a l'air accueillant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, regardez, il y a des piles à terre. Nickel. Ça a l'air accueillant, cet endroit, hein. Tiens, on va aller sur le balcon, on va prendre un peu l'air, ça va nous faire du bien. Hop, petite bougie au calme. On va se poser sur le petit fauteuil, là, on peut admirer la vue. Donc il y a deux lunes, les creuses. Et nous vivons dans un monde cubique, voilà. Bon, c'est original, hein. Après la lune rouge éclipse soleil, là, je sais pas quoi. On a deux lunes maintenant. Et on vit dans un cube, donc ouais, c'est cool. Et il y a des montagnes dans le ciel, franchement, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime l'idée. Allez, on se casse. Ouah, je kiffe le piano. T'as vu ça? C'est flippant, hein. Il y a un petit côté flippant, ce piano. Je suis le seul qui voit la barre d'outils Twitch à droite. Écoute. Ah non, exact! Il y a une barre Twitch à droite, what the fuck? C'est quoi ce délire? Et c'est quoi mon PC? Il est possédé, quoi. C'est pas possible. À chaque fois, hein. Attends. C'est normal. Ne t'inquiète pas, voilà. Elle a disparu. Je suis désolé. Vous pouviez me le dire avant, les crosses. Franchement, c'est pas sympa, hein. Il y a la barre Twitch depuis tout à l'heure qui squatte le jeu. Je suis désolé. Merci de m'avoir prévenu. En fait, je fais pas gaffe, si tu veux. Il y a plein de trucs sur l'écran, du coup, je fais pas gaffe. Mais ouais, c'est n'importe quoi. Et du coup, maintenant, le jeu n'est plus à la bonne place. Oh là, c'est vraiment n'importe quoi, ce live. Hop, on va tout remettre bien, voilà, tout est parfait. On continue, on va ouvrir cette porte qui est fermée, c'est génial. C'est parfait. Bon, je pense qu'il n'y a rien à faire dans cette pièce, hein. Écoutez. Ah, le marteau. On a le marteau. Oh là, attention. Oh, pas content. Oh. Oh putain, il y a tout qui vient de casser là. Oh non, non. Oh, il est là. Ferme ta putain de porte. On se cache. Il a pas arrêté de le dire tout aussi. Ah bah je l'avais pas vu. Ok. Alors il a pété la porte ou... Est-ce qu'il a pété cette putain de porte? Ah oui, il a pété! Là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud, les crosses. Là, c'est super chaud, là. Ok, vous êtes prêts? Let's go. Ok, il s'en fout. Il veut peut-être aller contempler les deux lunes, lui aussi, hein. Il a peut-être besoin d'air. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter ces putains de planches en bois qui nous ont bien fait chier. Voilà. Et on peut maintenant continuer. Oh
Oh l'enfoiré, il m'a tué. Non, arrête. Quoi, non, non, non. Non, déconne. Arrête, je pouvais pas esquiver ça. Le placard, c'est la vie. Ouais, dans ce jeu-là, le placard, c'est la vie, ouais, effectivement. Ouais. Toucher enfin, c'est indécent, tu ne me vois même pas quand je parle des problèmes capitaux comme la barre d'outils Twitch. Bah écoute, Paraxi, je suis désolé. En fait, j'ai un petit écran, du coup, le live est assez petit, donc comme ça défile assez vite, bah vos messages, en fait, partent très loin dans le ciel. Là, c'est bizarre. Franchement, je voyais pas comment... Ah, c'était normal. Non, non, pas... Alors, là, vous me dites troisième mort. Mais non, je ne suis pas mort, regardez, je pense que c'était normal. On devait tomber. On devait tomber. Enfin, je crois. Ouais, si, c'est bon. Oh, my head. Where am I? Man, it's really dark. I better... Wait. Where's my flashlight? Oh, shit. No. No, 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 no. Fuck. Why no? Okay. Oh, calm down. Damn it, it has to be somewhere around there. Oh, why does it have to be so damn dark? Ok, donc ce qui est cool, enfin c'est un peu la mauvaise nouvelle, c'est qu'on vient de perdre notre lampe dans notre chute, donc ce qui est assez dommage. Du coup on n'a plus du tout de lampe les crows, ça va être assez compliqué de faire sans, mais bon. Alors ici on a une porte qui est ouverte. What the fuck. Alors attendez. On va essayer de faire un repérage des... Oh putain c'est grand, hein. Oula c'est grand ici. On va refaire un repérage des lieux. Donc j'ai vu qu'il y avait un escalier là-bas, on va essayer d'y aller. En tout cas, on est tombé très bas là. Hein. En même temps, on peut pas tomber très haut, hein. C'est un peu con. You have to carry on, tu dois faire attention. D'accord, Tipouf, je vais essayer de faire très attention. Déjà, il faut que je retrouve, voilà, ma santé mentale. Fermé, d'accord, très bien. Ça doit être notre porte de sortie, ça. Hein. En effet, il va falloir choper une clé ou un truc du genre. Ok, c'est parti. Putain, sans lampe, ça va vraiment être difficile. Sans lampe, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. Traduction, oh non, mes couilles sont cassées. What? On va allumer la bougie. Oh non, 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 non. Hop. Oh putain, c'est partout. Ah, monsieur la larve. Bon, y'a pas un truc dans les putains d'armoires, là, sinon je pète un câble. Non, c'est bon. Ouais, de la madou. Encore de la madou. Alors c'est bizarre parce que ça dépend des customs. Des fois ça s'appelle Amadou, des fois ça s'appelle Tinderbox. Enfin Tinderbox plutôt. Je sais pas pourquoi ça a des noms différents comme ça. Je viens de trouver une blague, elle est géniale. Je m'appelle Teuz et moi sonneuse. Oh là 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 là. Ouh, alors là, t'es allé la chercher, mais plus loin que le ciel, quoi. T'es allé à l'horizon, mais à l'autre bout du monde, quoi. Hein. Recept Old Storage. Ok, on va aller là-dedans, ça me paraît intéressant. Bonsoir. Il y a des bruits de pas, on va aller voir. Ah. I think there's a key. Ah. What the fuck. Qui. Il y a une clé, là. Putain, merde. Ah, je peux pas la prendre, je me brûle. Ok, il faut de l'eau. Putain. Ouais, alors là, pas cool. Et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je peux rien faire. Putain, il est en train de défoncer la porte. Ok, on va se planquer. On va se mettre là. Il est là. C'est ma blague, Tussil me l'a piqué. Bah écoute, what, ta blague, tu as été la chercher très très loin en tout cas. Hein. Bon, il est là cet enfoiré. Putain. Allez, on y va. Non, on y va pas. C'est pas bien d'y aller. On va plutôt se cacher. C'est plutôt une bonne idée. On va y aller en mode accroupi. Il va pas nous voir. On y va tranquillou. Voilà. Ça passe. Ça passe crème, les crozes. Toshi, t'as raté une trad. Ah merde. Notre perso déteste le noir. C'est ça? Notre perso déteste le noir? Ok. Oh mon dieu, putain, mais c'est immense! I don't seek my body, we ML to take another fall. Ok, je pense pas que mon corps va survivre à une autre chute, donc c'est pas bien, faut pas tomber.
faut pas tomber les crozes. On va retourner en arrière. Même si j'ai pas très envie. Putain, pourquoi c'est fermé ici là? Il faut qu'on trouve de l'eau pour la clé, parce que la clé est beaucoup trop chaude. Oh, il est là. Putain, l'enfoiré! Faut qu'on trouve de la flotte. Ouais. On va prendre une arme. Parce que je pense qu'il faut retourner dans cette pièce, les crozes. Le problème, c'est que le monstre y est, donc ça va être assez chaud, là, tu vois. Ok, bitch. Bitch! Ok, de la flotte. Là, il y a une roue. Est-ce que tu veux une roue, monsieur le monstre? Tiens, gob. Une pelle, vite. Putain, faut que je me débloque, là. Ok. Hop! Coup de pelle! Voilà, c'est comme ça que je fais, moi. Ah merde, mais du coup, il me suit maintenant. Ah putain, il me suit, il fait chier, je suis bloqué. Ah merde, s'il me suit jusqu'à là, je suis mort. S'il me suit jusqu'ici, je suis mort. Bah franchement, vraiment être... Ah non, mais moi non plus, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Oh, regardez, il y a une souris mignonne. Attention à la souris, hein, faut pas te faire tuer. Hein. Va pas dans... Non, ouais, reviens par ici, fais gaffe. Ouais, va plutôt te cacher derrière le mur, là-bas. Voilà, c'est bien. Reste planqué, je m'occupe de tout. T'inquiète pas. Je vais te sauver. Oh, il a pas l'air super agressif, hein. Regardez, il s'en fout. Il me voit, mais il s'en fout, il préfère aller de l'autre côté. Bon, bah tant mieux, hein. Tant mieux pour lui, hein. Le monstre mode YOLO, coucou, je ne gobe pas, je bouffe du sushi des creuses. L'appel du désespoir à fond. Bon, attendez, il faut que je trouve vraiment quelque chose pour la clé qui est trop chaude. Des piles. Alors j'aime bien y mettre des piles, mais j'ai plus de lampe. Génial. Ok les gars. Non, y a clairement rien ici. Ok, donc ça se passe dans la... Ça se passe dans la pièce où il y a le monstre. On va essayer d'y retourner. La souris est tranquille dans le jeu. Ouais, non, mais carrément. Elle s'en bat les steaks. Ok, donc ça se passe ici. Ok, donc là, on a le temps de fouiller. Croise, on est bien. Le monstre est parti. Alors, comment je fais pour choper cette clé? Peut-être avec ça, non? Non. Peut-être avec une pelle, peut-être? Attends. Je peux pas la... Non, elle est collée, en fait. Hein. Ok, elle est collée, donc je peux pas la... Ok. Est-ce qu'on peut éteindre le feu? Putain, on peut pas éteindre le feu, quoi. Attends. Éteins le feu, pelle. Allez! Éteins le feu. Prends le feu et tu le mets là. Allez! Fais chier, putain, faut que je trouve vraiment un moyen d'arrêter le feu, en fait, c'est ça qu'il faut. Faut arrêter le feu. Alors, peut-être avec une boîte. Moi, j'essaie tout, hein, dans le jeu. J'essaie tout. Ok, la boîte veut pas rentrer, on dirait. Si, elle veut rentrer. Non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est de la merde. Ah, peut-être le rat, on va peut-être mettre le rat dans le feu, ça marche pas. Oula. T'as la pelle qui s'agite. Ok, alors, attendez. Hein. Laissez-moi réfléchir deux petites secondes. C'est chaud là. C'est pas de l'eau qui est à terre là? Il y a de l'eau à terre ici, hein. Ou alors c'est de la brume? Non, c'est de la brume. Ce qui est bizarre, c'est que je peux bouger ce gros machin là. Je peux le bouger, mais j'ai pas assez de force, on dirait. Oh là, on peut carrément lever les poutres comme ça, c'est cool ça. Putain, mais c'est de l'eau, c'est de la... Non, c'est... C'est de la brume, hein.
Bon, faut vraiment que je trouve un putain de moyen là. Putain, je suis enrhumé. Toi aussi, tu es macabre envers les rats. Mais non, je suis tout gentil. De toute façon, je peux pas le prendre, je peux pas le mettre dans le feu. Donc là, il est parti derrière, il est peut-être parti. Vas-y, va régler le problème. Vas-y, règle le problème, rat. Putain, c'est chaud là. C'est le cas de le dire, c'est très chaud là. Oh là, il y a des cafards de partout là. Ah, c'est dégueulasse, regardez. Dégagez. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ils partent pas, hein. Ils partent pas, hein. C'est dégueulasse. Ok, j'ai des rats sur la tête, c'est cool. Comment éteindre un feu dans Amnesia avec Rose? Tu peux pas mettre de la terre. C'est une bonne idée, mais... Sans sauce barbecue, bof. Pisse sur le feu. Bah écoute, en plus, j'ai très envie de pisser, là, donc... c'est ce que je ferai direct, mais malheureusement, là, je peux pas. Dégage, sale putain de rat. Dégage! À mon avis, ça, à mon avis, y a un truc à faire avec ce truc-là. Regardez, ça bouge. Non, c'est une mauvaise idée. Je suis sûr que c'est encore un truc tout con. Hein. C'est encore un truc tout con à faire. Ah non, c'est chaud. Hein. Putain. Alors là, franchement, l'énigme... Eh. L'énigme, elle est toute con. Tu dois éteindre un feu. Mais alors comment? Tu te démerdes. Hein. Barbecue de rat ce soir, les crows. Sur le feu. Non mais vous êtes fous, pourquoi vous me dites tout ça? Je peux pas pisser. Bye bye, bonne soirée. Ciao, c'est qui parle? Je sais même pas. Ah, Québec City 700. Bonne soirée. Et puis bah, à la prochaine du coup. Je pense qu'il faut trouver un récipient et mettre de l'eau dedans. Ok, Paraxy. Le problème étant que... j'ai tout fouillé ici, enfin dans cette zone, et y a pas de récipient, y a que dalle, tu vois. Donc après, je sais pas, je suis peut-être con, hein. En tout cas, cette putain de porte est fermée, ça fait chier. Bon, c'est clair que c'est pas par là, en tout cas. C'est pour rigoler qu'on dit ça dessus. Non, mais je sais très bien. Choc à pic. Je dois trop pisser ce soir. Putain, vivement la pause là. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Je me retiens depuis le début de live là. Horrible. Non, attendez, avant la pause, il faut que je trouve quand même le... Enfin, il faut que je résous l'énigme du feu. Hein. Y a pas à chier. Putain, c'est pas possible quoi. Franchement, j'ai tout fouillé là. Hein. Et j'ai plus de tinderbox, je peux plus allumer de bougie. Ah fuck. Ah franchement là j'ai tout fouillé. Ah attendez, regardez. Oh, petit passage secret. Oh, that torch could come in and in dark place. Hey, hey. C'est bon, c'est débloqué. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut que j'a... Ah oui, ça c'est cool ça. Ça c'est cool ça. On a une petite torche avec nous. Ah, le seau d'eau. Magnifique. Alléluia! Alléluia! On a trouvé ce putain de pseudo! On l'a, les creuses. On l'a. Oh là. Alors attendez, on va fouiller un petit peu ici. Ok. Oh non, 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 non. Il est là. Hein. Ok. Direction le feu. Oh, il y a une bouteille qui vient de...
What? Oh, c'est un chien? Oh mon dieu, eh le... Oh putain. Eh le chien là, il m'a fait trop flipper, je vous jure, je croyais qu'il était vivant. Ah il est moche en tout cas, putain. Il est pas beau ce chien. Très bien, on a le pseudo. Ce que je propose, c'est que... c'est qu'on y va. On va aller éteindre le feu pour prendre la clé. Finalement, ce sera débloqué. Salut à Tori, bonne soirée. Il est où ce putain de feu? Non, c'est pas là. Je suis perdu. Ah, c'est là. Rappelle-toi, tu dois toujours faire attention, le monstre n'est jamais loin de toi. Ouais, Tiplouf, t'inquiète pas. Je vais faire de mon mieux. Allez, on va éteindre ce putain de feu. Bye bye, le feu. Yeah. C'est bon, ça. Bon, bah, du coup, c'est bon, on peut récupérer la clé. Parfait. Alors, du coup, je crois que la clé ouvre cette porte, j'imagine. On va essayer. Ouais, c'est ça. Vous êtes prêts? Let's go! Oh. Écoutez les crozes. Attends, je vais juste voir ce qu'il y a là-bas. Ah, des cochons pourris! J'ai des cochons pourris! Ah, il y a même des corps humains, d'accord. C'est un mélange de corps humains et de cochons pourris. Bien. Enfin, d'humains pourris et de cochons pourris. Ok. Ouais. On va s'arrêter là. On va faire une petite pause, les crozes. On va prendre ces putains de piles. Par contre, on a toujours pas retrouvé notre lampe, malheureusement. On va se poser. Est-ce qu'on peut se foutre là-dedans? Ah non, non, bah non. Oh non, il fait peur, lui. Pourquoi il y a des médecins dans un manoir où on est censé faire la fête? Je comprends pas. J'espère qu'on aura des réponses quand même. Oh là, mais c'est horrible, regardez-moi ça, ils crament carrément les corps dans le feu, c'est horrible. Bon, écoutez, ouais, les crozes, on va faire une petite pause ici, on se retrouve tout de suite. Je vais faire, hop, voilà, une petite pause. On se retrouve d'ici 2-3 petites minutes. Moi, il faut que je pisse, j'en peux plus. Allez, à tout de suite, les crozes.
Ok. Relay Cross. Ok, c'est bon, il y a toujours du son dans le jeu. Putain, il prend le temps à pisser. Ah, oh, ça va, hein. Non, j'avais vraiment envie de pisser, c'était urgent. Ouais, j'adore cette chanson, merci Toshi. Bah, je l'ai pas mise longtemps, du coup. Oh, c'est bon comme musique, merci Toshi. Bah, de rien. Allez, on continue donc cette custom story, Gary Dark Secret. Je sais pas si on va la finir ce soir, en tout cas, on va essayer. Vu comment on est bloqué dans cette custom ce soir, ça va être assez compliqué. Mais bon, on va tout faire pour y arriver, les crozes. Allez, du coup, on va aller par là. Il a pensé au micro, il va neiger. T'as vu ça? Franchement, ça commence à être une habitude là. Dès que je reprends le live après la pause, il faut obligatoirement que je remette mon micro. Parce qu'à force de l'oublier, forcément, tu commences à comprendre qu'il faut le réactiver. Putain, mais c'est super grand! Quartier left, Winsela right. Oh non, pas les cellules. Oh non, non, moi je vais là. Non, non, je vais pas dans les cellules maintenant. Je suis pas prêt. Je ne suis pas prêt pour les cellules. Je suis désolé pour ces reniflements dégueulasses, mais je suis malade. Je ne peux rien y faire. Ah, tiens, encore une porte débloquée. Et on n'a plus le marteau, bien entendu. Ok, on ouvre. Oh, Alexander. Coucou, Alexander. J'espère que tu vas pas te transformer cette fois. Parce que dans chaque custom, ce tableau, il se transforme. Vous pouvez en être sûr. Hein. À chaque fois. Hein. On va faire gaffe. Ok. 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 Donc encore une pièce qui ne sert absolument à rien à part pour voir cette tête de con là. Voilà. C'est dit. Cette pièce ne sert à rien. Oh, la flashlight! On a la lampe! Avec des batteries. Et regardez combien on a de batteries. On en a 4 quand même. Hein. Voilà, full. Allez, on rentre là-dedans. Ok, c'est fermé. Génial. Vous entendez ces cris là? Je sais pas d'où ça vient mais... Ah, marteau! Yes, on va pouvoir péter le... On va pouvoir péter la porte en bois. Génial! Oh là, il y a des bruits chelous derrière cette porte, j'ai pas envie de savoir ce qui se cache derrière. Ah bah, regardez, c'est le... Je sais pas si vous le verrez, il y a le tableau d'Alexander mais transformé. C'est... Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Génial! Bon ben on reviendra plus tard. Hein. Moi ce que je vais faire c'est que je vais péter cette porte en bois avec le marteau. La lampe GG, t'as vu ça? Ça éclaire bien. Hein. Attends, high tech. Hein. Technologie, yeah! Let's go! Cette custom est gigantesque. J'en reviens pas. On va aller en bas. C'est... Il y a trop de couloirs. Il y a trop de... Ouais. I need to storage key to open this door. On a besoin donc d'une clé pour ouvrir cette porte, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris cette phrase anglophone. Ok, alors ici qu'est-ce qu'on a? Une torche, génial, des rochers, ok. On va à la droite du coup. Oh, oh, oh. Don't you recognize me? This is your doing after all. Because of you, I'm dead and you're not. Why? Why are you still alive? What? Why are you not dead? Il a un pénis! Il a un pénis! Oh mon dieu qu'il est moche. Regardez. Ah bah on n'aura pas eu le temps de le voir. Ok donc ça... Attendez. On va prendre la clé, cette note. Hey John! You're probably wondering where your wine cellar arcade is. The thing is, since the latest incident with your guests, we have to tighten up security down here. I won't write down the Tedai here, but I can tell you what the key is being kept deep in the storage in section C. Hope you find it without any trouble. Eh, hey, il est bon mon accent, non? Bon, j'ai pas compris, encore une fois, Tiplouf! S'il te plaît, Tiplouf! J'espère que tu es là. En tout cas, il y a une clé à récupérer, donc. Cool.
Donc là, en fait, enfin, si j'ai bien compris, c'est un notre pote qui est mort dans ce manoir et qui s'est transformé en monstre, c'est ça? C'est très étrange, hein. Mister Tub. Glock creepy, il est dégueulasse ce monstre. Non, mais carrément. Il a un pénis, Witoshi, c'est un homme monstre de la jante masculine tout de même. Alors attends, on va essayer de descendre du coup. La clé dans la réserve. Toshi, il y a des enfants, enfin un peu de tenue. Dit la meuf qui a 16 ans. Ah ça va, hein, je suis pas non plus vulgaire. Ah merde, c'est pas pour cette porte. Tant pis, on va remonter. J'aime ton accent Toshi. Merci Virginie, je crois que t'es la seule à l'aimer. Ça m'encourage à persévérer dans, dans cette langue qui m'est inconnue. Du coup c'est peut-être la clé de la porte flippante là, vous savez qu'il y a des bruits derrière. Écoutez, c'est peut-être ça. Non c'est pas ça, tant mieux. Tant mieux. Ah, Paraxy qui nous a fait une petite traduction de du mec là, alors attends. Ah bah petit plouf aussi, alors je vais lire les deux. Donc tu ne me reconnais pas parce que c'est ta faute, c'est de ta faute après tout, c'est de ta faute si je suis mort, tu devrais être à ma place et je devrais être vivant, d'accord. Et la trad de Tiplouf, il nous indique que depuis l'accident, il a mis la clé du cellier de vin dans la réserve dans la section 6. Donc ça c'est la traque de la traduction de la note. Très bien. Ok, donc c'est pas encore par là. Putain mais toutes les portes sont fermées, c'est un truc de dingue. Hein. GG Quentin, t'avais raison. Bien joué. Vous êtes très fort, hein. Vous êtes plus fort que moi en tout cas. Tiens, il y a un truc sous cet escalier, je pense on ira voir après. Où est-ce que je vais là? Non, 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 c'est pas par là. On redescend. C'était par là, je crois. Non, j'y viens. Qu'est-ce que je suis en train de faire, les crosses? Je suis paumé. Storage key, storage key, storage key, storage key, storage key, ça doit venir de storage, donc storage, 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 c'est tellement grand, putain, moi qui ai pas le sens de l'orientation, je veux dire c'est chaud. Pas facile, hein. Dans le salon où tu as vu l'homme au pénis, il y avait des planches. Il y avait des planches. Alors attends, on va y retourner. Et c'est le marteau dessus. D'accord, on va essayer. Donc voilà, je suis dans la pièce du pénis. Marteau. Bim. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Que dalle. Ok. C'est tellement grand, je me perdrai vite aussi. T'as vu ça? Non mais c'est un truc de dingo, hein. C'était pas là, la porte du storage? Storage! Bah voilà! Bah c'est bon! Voilà, il suffisait de suivre, en fait. On est vraiment bloqué pour de la merde, hein, ce soir. Hmm. Oh putain, c'est sombre ici. Heureusement qu'on a la lampe. Ça va, on a encore quand même un peu de batterie. C'est cool. Allez, on va rentrer là-dedans. Oh là 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 là. Oh, il y a encore les cafards qui me sautent à la gueule, là. C'est horrible, ça. Fouillage. Ok, ici. Tac, tac, rien, rien. Encore des roches, ok. Donc je pense qu'il y avait que dalle ici. Oh putain, il y a des chaînes. Attention les chaînes. Hein. Non, il y a rien ici, il y a rien ici, ok. On se casse. On se casse, on se casse, on se casse. On vient d'où? On vient de là. Let's go. Là, deuxième porte. Storage section B. Ouais, coucou. Ça va les gars? Tranquille. Mais c'est le bordel ici, putain! Un peu de rangement, bordel!
Non, y'a rien. Oh là, mais non, attends, s'il faut commencer à fouiller là-dedans, mais je vais pas m'en sortir, moi. Hop. Ok, y'a rien. On continue. C'est quoi ça? Oh non non, pas des mannequins, 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 pas des mannequins. Non 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 non. Oh non non non, pas les mannequins s'il vous plaît. Tout ça sauf ça. Quoi? The key is supposed to be in this section. D'accord, donc la clé que qu'il me faut est dans cette section. Let's go. Ah d'accord, la machine ne répond pas. Putain! OK, faut qu'on passe là, d'accord. Retenez les crosses, cette porte, il faut la débloquer. Il y a une espèce de corde là, à mon avis, il va falloir actionner ce levier pour que ça remonte et qu'on puisse passer de, par cette porte. Donc il faut rétablir le courant pour le putain de levier. C'est parti. J'ai pas aimé ce que je viens de voir, je vous jure, les mannequins là, ils m'ont fait vraiment flipper. Hein. J'aime pas du tout ça. D'accord, on va aller là. Ouais, c'est ouvert. Parfait. Il y a trop de portes, c'est grand, c'est immense. Eh hey, oh! On se calme les gars! Ok. On va monter. Oh! C'est immense! C'est la section C là où on est dans la baie. D'accord! C'est immense! Ah! Ah! Il nous manque un. Ouais. Ok. Yes. Non, ça marche pas. Ok, y'a rien qui marche. Ok, donc il nous manque le levier pour la donc la section 3 qu'on doit débloquer. Donc, oh putain, j'ai plus de... Oh, j'ai plus de lumière. Ah, oh, génial. Attends, y'a une note ici. The machinery has finally been fixed, but the new lever that operates the door to section C is still missing. Ok, donc ça me dit que le levier manquant est dans la section A, c'est ça? Ok, bon, on va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller, les crozes. Hein. Je suis désolé, j'ai plus de lampe. Va falloir faire avec. C'est vraiment compliqué à gérer la lampe dans ce jeu. J'y arrive jamais, en fait. Je tombe toujours à court d'huile ou de batterie. Alors, on va essayer de sortir. Alors là, franchement, ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud. Parce que là, c'est vraiment grand, quoi. Je crois que c'est... Oh, bordel. Ok. 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 Oula, putain, c'est noir d'un coup, là. Wow! Quelque chose vient de casser par ici. Je sais pas ce que c'est, mais quelque chose vient de casser. Alors ça venait peut-être de la pièce à côté, on va aller voir. Oh mon dieu. D'où est-ce que ça venait? Oh putain, c'est quoi ces cris, sérieux? Attendez. C'est trop grand. Toshi, fais gaffe à Monsieur Kiki, il pourrait arriver derrière toi. Ah non, pas moyen. Alors là, je retourne au début. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller. Je ne pense pas. Non, non, non. Je pense vraiment pas. Il dit que le levier n'est pas dans la salle A, mais peut-être dans la B. D'accord. Le levier n'est pas dans la section A, c'est ce qu'il a dit. D'accord, en fait, j'ai rien compris. J'ai compris tout l'inverse de ce qu'il voulait me dire. Monsieur Kiki, il a la classe, je l'invite à dîner perso. Ouais, faut... Bon, c'est chacun ses goûts. Voilà, chacun ses goûts. I think something fell over in the other side of the room.
Retenez cette phrase. Vous l'avez retenue ou pas, l'écran, s'il vous plaît. Aidez-moi à la traduire, ça doit être très important. Ça doit être très important. Quelque chose a pété là, pas loin. Ouais. Je saute partout, moi. Je suis un kangourou. Non. Ça vient pas de cette pièce. C'est vraiment étrange. Non, pas encore! Niquez vos mères, vous. Hein. Niquez vos mères. Ah d'accord, en fait, on se retape le... D'accord, en fait. Ok. On se retape le... tout ce qu'on vient de faire. Vu que j'ai quitté la zone et que je rentre dedans. Ça va être très compliqué de trouver le levier dans ce genre d'endroit. Hein. Je déteste les craquements qu'on entend quand ta santé mentale est au plus bas. Ouais, j'aime pas du tout. Attends, on va se mettre près du... On va se mettre près d'une bougie, comme ça, ça le fera plus. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, j'aime pas trop non plus. Ok, c'est bon, il n'y a plus de craquement. Du coup, putain, c'est horrible. Ouais, donc ça, on l'a entendu aussi tout à l'heure. Là, il y a la... Non. Ah, vous avez vu? Je m'en doutais que la bouteille allait péter. Oh, puis en plus il fait noir. J'adore les craquements, on dirait des chips. Ok, nous revoilà. Ah, ce putain de... En fait, je sais pas si ça sert à quelque chose de... Voilà, d'activer ces trucs là. J'ai l'impression qu'en les activant, il se passe absolument rien. Ok. Si je pourrais avoir des batteries, s'il vous plaît. C'est très aimable. Le cri du monstre, on dirait une sirène de paquebot. C'est... Ouais. On va dire qu'il y a quelque chose, quoi. Olé. Donc là, les creuses, on est d'accord, on y est dans la section B. Hein. Oh putain, ça va être hard. Ça va être hardcore. Mais il y a un truc qui a pété là. Là, il y a un truc qui a cassé. Enfin, on a entendu un bruit de... Je sais pas, comme si quelque chose s'était... C'était cassé, mais c'est bizarre, je vois pas d'où ça peut venir. Mais j'ai l'impression que c'est là qu'il faut aller en fait. C'est vers ce bruit, tu vois. Oh non, pas des cris d'enfant, s'il vous plaît. Non! Arrête! A tous les coups, il est ici le levier, vous savez quoi? A tous les coups, le levier, il est ici. Tous les coups, il est là, ce putain de levier. Non, il est pas là. Pourquoi éclairer une zone s'il n'y a rien? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. C'est bizarre. Ok, donc un vendredi soir, 22h22, en train de regarder un TSN sur Amnesia, la nuit va être longue. Ah ouais, honte. Ça. Aux risques et périls, hein. T'inquiète, pour moi aussi les nuits sont longues le vendredi soir après le live. T'inquiète pas. T'es pas tout seul. Ça c'est chiant par contre. Vous voyez, j'aime bien des customs, enfin genre cette custom, je l'adore. Mais franchement les passages où il faut chercher comme ça pendant 3 heures un levier dans une zone immense, bon.
à qui ça peut plaire, quoi, tu vois. Moi, je veux bien, mais... Oh putain, quand je vais retomber sur ce levier, je vous jure, je vais être mais aux anges, quoi. Aux anges. Y a pas un faux fond, parce que des fois dans les armoires comme ça t'as des fonds, mais des faux fonds, c'est-à-dire que tu peux les péter et ça enchaîne sur une zone secrète. Bon là à voir non malheureusement, c'est pas grave. On va allumer les bougies quand même, parce que là vraiment on y voit que dalle. J'aime pas cet endroit en plus, je vous jure, j'ai envie de partir de là. J'ai vraiment envie de partir de là. En vrai, Toshi, il aurait pas trouvé le levier qu'il sera à 11h et son frère aura allumé le wifi. Ah mais ça va être ça, hein. T'inquiète, là c'est bon, jusqu'à la fin du live, on va être à la recherche du putain de levier, là. Et je vous jure, si on trouve pas le levier avant 23h, je vais... Après le live, je vais mater un let's play de cette custom pour voir où il était. Parce que franchement, ça m'intrigue. Hein. Franchement, là... Là, ça m'intrigue. Hein. Oh, donc là, on revient, bien entendu, au levier. Putain, c'est la merde. Et le problème, c'est que je ne peux pas enchaîner avec un autre jeu, Cross, parce que je n'ai que cette custom de prévu ce soir. Donc... Toi, tu veux le voir mourir, ah, oh, dégueu, Chris. Chris. Je n'irai pas ce que Chris a dit. Tu vas le trouver, le levier, Toshi. Allez, je crois en toi. Merci, Virginia. Je suis pas autant optimiste que toi, mais bon. C'est quoi, il y a encore un passage que j'ai pas vu. Comme il fait très sombre, il doit y avoir encore un vieux passage dans... Il y a un trou dans le mur ou un truc comme ça que j'ai pas dû voir. Et la section B. Sur la section B, il est ici. C'est ici. C'est ici, le levier est ici. C'est bon, on avance. On avance, les causes. On avance dans cette custom. On avance. Le levier est ici. En plus, c'est là où on a entendu le bruit. Ça doit être là, je vous jure, ça doit être ici. J'en suis certain. J'en suis certain, le levier est là. Je suis sûr qu'il est ici. C'est obligé qu'il est là, putain. Oh merde. Il doit être là, il doit être là, il doit être là. On est dans le storage B. Je commence à avoir l'accent anglais dans des phrases françaises, moi, ça va pas aller. Ouais, il doit être là, c'est obligé. C'est bien ici le storage B, quoi. On est d'accord, hein. Oh là, c'est dingue, quoi. Les boîtes dans le coin, Toshi, près des chaises aussi, les chaises Toshi. Ouah, vous me dites tous les chaises. Alors attends, là. Près de la chaise, les chaises Toshi, on l'a vu. Ah, vous l'avez vu? Arrête! Il est où? Près des chaises. Putain, non, mais là, c'est énorme. Je le vois pas. Je le vois pas, les chaises sont là, non? Alors attends. Oh, il est là! Oh, oh mon dieu! Non, là, franchement, fait le truc, il était. Franchement, vous avez géré les crocs, vous savez quoi? Vous l'avez vu, franchement, bien joué. Bien joué. Bon, on aura trouvé le levier donc avant de. Eh, on se calme là. On aura trouvé le levier, ça c'est plutôt cool.
Fallait vraiment le trouver parce que le truc il. Attends, c'est par là ? Non, j'ai pas l'impression que c'est par là. Non, c'est pas par là. Fallait vraiment le voir, il était même pas illuminé, rien quoi. Il traînait à terre. Putain, je vous jure. Putain, et ça y est, je suis perdu, je sais plus. Oh là, il y a des voix. Il y a des voix ! Oh mon dieu, vous allez pas me croire, je sais plus où c'est pour aller. Oh non, laisse tomber quoi. Je suis perdu. Moi je dis 4 heures en plus. Moi je dis une heure de live en plus pour récompenser les crosses. Bah écoute, j'aimerais bien Chris, mais malheureusement mon frère ne sera pas d'accord avec ça. Ah c'est là, c'est bon, on y est. Je me souviens. Tu vas voir, Toshi va faire tomber la poignée, on va pas être dans la merde. Oh, oh. Non, c'était fait exprès. Hein. C'était fait exprès. Alors, on va mettre ce foutu machin, là. Voilà. Eh ben, voilà, les crosses. Vous voyez? Avec un peu de... Oh, putain. Oh, my God. Il est là. Il est là. Il est là, cet animal. Regardez. Ok, bon, on va prendre un tonneau. De toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir le combattre. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à le tuer? Non, je crois qu'on va le contourner en fait. On va le contourner. On va le contourner. On va le contourner. Voilà, comme ça. Voilà. Yeah! Monsieur Zizi. Non, c'est pas Monsieur Zizi lui. C'est pas Monsieur Zizi. C'est un normal. Enfin, c'est un normal. C'est un monstre pas Zizi. Allez, 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 allez. Vite. C'est bon. Allez. Ouais. Bien, 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 bien. Oula, qu'est-ce qu'elle fait? Oula. Allez, on rentre. Yes, putain, on s'est débloqué. On s'est débloqué avant le... Bah, le prochain blocage. Oh putain, il me faut des batteries absolument. Oh putain, c'est pas fini, il y en a un qui traîne. Il y en a un qui traîne. Putain, il me faut des batteries, les crosses. Aidez-moi. Allez, allez. Putain, il y a que dalle quoi. Que dalle. Moi, je vais tout casser hein, si ça continue. Coucou. Oh. Allez, on va se mettre près de la lumière pour essayer de récupérer un peu nos... Putain, c'est quoi ces bruits, là? Sérieux. C'est quoi ces bruits de chaîne, là? Calmez-vous. Y'a rien, là. Ok. Et le prochain blocage est déjà parmi nous, hein, les crosses, je pense. C'est cool, en fait, on se débloque, on passe une porte, on est rebloqué. C'est cool, hein. Putain, il y a des cris, mais je suis... Ah, là, il y a une porte, attendez, je l'avais pas vue. Il y a une porte. Oh, putain. Oh, merde, je croyais que c'était des batteries. Oh, nick. Il y a une porte ici. Let's go. Ok, d'accord. Oh, laisse-moi entrer. Non, on y vient de là. Oh là là, je me perds. Et je me bouscule. C'est une blague ou quoi là? Joli Toshi. Attends, c'est... Ah bah génie héros là. C'est une blague ou... Comment ça se passe là? Non. Attends. Là.
Là, une clé. Putain, y a une clé. Putain, y a une clé. Oh mon dieu, la clé était encore une fois très bien cachée. Bien joué. Maintenant, il faut trouver la porte. Le syndrome Pinview Drive, les creuses. Trouver la clé et ensuite trouver la porte. C'est un labyrinthe, c'est ce que c'est, mais carrément. Alors, putain, faut trouver la porte, mais quelle porte? Peut-être revenir en arrière, du coup, parce que de toute façon, il n'y a rien ici. Donc en fait, c'est cool, on a passé une heure à se débloquer pour déverrouiller donc le secteur C pour une putain de clé de merde. Oh putain! J'ai survécu. J'ai survécu. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oh mon dieu. Du coup, c'est une clé de quoi? Ah, la Winsellar. Donc il faut qu'on retourne en arrière. Cool, on quitte cette zone, les grosses. Nous quittons cette zone. Hop, je prends ça et je m'étire. C'est bon. On est tranquille. On ne reviendra plus jamais ici. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Hein. Allez, on se casse. Bien. Franchement, je sais pas si on l'aura fini à 23h. Tout est bien caché dans ce jeu, c'est clair. Tout aussi le regard des caisses lui tomber dessus, j'adore. C'est ça. C'est une clé de 12, Toshi. Ah. Tiens. Il y a du sang qui coule. Ouais. Bon, retournons aux cellules. On retourne aux cellules. Je sais plus du tout où sont. Oh non, non. La porte du méchant. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh non, l'homme zizi. Non, c'est pas l'homme zizi. Ce n'est pas l'homme zizi. C'est pas l'homme zizi, mon run. Oh run, 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 oh run. Ah! Putain de merde! Ah, c'est bon! On est en vie! Oh mon dieu! Wouh! Yeah! C'est bon, s'en est sorti. Cool. Allez. Oh là. C'est quoi ce bruit? Il y a des oiseaux maintenant. Putain, je vois flou là. Attends, on va prendre un... Ah ouais, on est pas bien là. Morphine, ouais, on va prendre un peu de... Ouais, on va en prendre là. On va, voilà, on est bien là. Là, on est bien là. Là, on est plutôt cool. On s'est bien soigné. Ah, regardez, il y a du sang à terre. On va aller voir ce qui se passe. On va suivre le sang. Le sang est derrière ces caisses. Ah, il y a une porte. Il y avait une porte cachée. Dégagez. Dégagez de mon chemin, saloperie. Ok. Ok, une note. Oh là, une longue note là. Oh là. Je crois que Tiplouf aura du boulot là. If you're trying to get into old storage, you won't be able to with just the key. Ok. Ok, donc il y a encore une histoire de clé et de levier. Bah écoutez, c'est parfait, moi j'en demandais pas mieux, hein. C'est génial. On va encore galérer pendant 3 heures. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre dans cette pièce? Non. On dirait qu'il y avait juste la lettre. Très bien. Ok. Pas de soucis. On y go. Yo, salut, Charose. Comment tu vas? Ouais, bien les bruits de pas derrière moi, les gars. Soyez un peu... Oh là là, oh là, oh là, oh, 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 attends, ah, ah, attends, attends, oh là, oh, 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 ouh, alors là, ça sent là, oh là, ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout, là, ça sent le roussi, tu vois, bon, très bien, on parie que ça va chier pour moi. Non, 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 non. What? What?
Oh mon dieu! Je cours n'importe où! Il y a un lit! Tache de sang! Qu'est-ce qu'il y a là? Mais du coup, on a récupéré des... Ouais, on a récupéré des piles. Cool, on a une lampe. C'était quoi? Je m'en doutais que ça sentait pas bon. Ça sentait lourd aussi, les crozes. Hein. Je vous ai... Oh, une clé. Pick-up key. Yes! Ça va, on est bon, là. On est bon. On est plutôt bon. Alors, attendez, on va essayer les clés. On va essayer les clés pour les portes. Nope, ça marche pas. Ah. Des anges pleureurs. Mais putain, ça m'a tellement fait penser à ça. Ça m'a tellement fait penser aux anges pleureurs. Putain, arrêtez les bruits de pas, les gars. Salut, les gars. Je vais essayer d'ouvrir cette porte. Me faites pas de mal, hein. Ok, ça marche. Ah, ok, d'accord. Ok, il veut pas que j'entre. Très bien. Je vais pas forcer, hein. Je vais pas forcer. Alors du coup, on a récupéré une clé qui ne sert à rien, c'est ça? Ok. Ah bah tiens, on va essayer cette porte. La porte du sang, les creuses. Regardez, il y a un cadenas. Ouais, c'était là. Ah bah non. Alors attends, tu m'expliques ou quoi? Je viens de péter le cadenas et c'est encore fermé? Arrête! Arrête un peu tes conneries là! Merde! Ah merde! Ça sent le bug, vous savez quoi? Ça sent le bug. Parce que là... Là c'est bizarre. Cannot use this item to... Ouais, c'est bizarre là parce que... Ouais, je viens d'utiliser une clé pour ouvrir la porte mais elle s'ouvre pas. Franchement, ça sent le bug, j'espère pas. J'espère vraiment pas. Écoutez, on verra. On va essayer de voir aux alentours si... Si on peut faire quelque chose. Mais ça me paraît très bizarre qu'il faudrait deux clés pour ouvrir une simple porte. Ouais, c'est étrange, hein. Oh, regardez ce dessin, c'est Gollum. C'est les monstres dans Until Dawn. Oh là, ça me paraît étrange. Ah, j'espère que c'est pas un bug. Ouais. On va essayer de retourner par là. Non, 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 non. Encore un bug en fin de live. Non, ça serait... Non, un Wendigo. Ouais, voilà, les Wendigo. Non, franchement, non, pas un bug en fin de live. Pas comme The Evil Within la semaine dernière. Non, non, je serais vraiment maudit, là, attends. Bon, bah, du coup, on va remonter, hein. On va remonter. C'est fermé. D'accord, donc, ok, donc on est obligé de rester ici. La bonne nouvelle, c'est que la zone est assez petite, les crosses, donc on a vite fait le tour. Ah, mais c'est chelou que cette porte s'ouvre pas, sérieux. Merde. J'ai pété le cadenas, c'est toujours fermé. What the fuck? What the fuck? J'ai peut-être loupé un truc, hein. Oh là là, merde. Touchy, il y a un second mécanisme d'ouverture. Tu crois, Hante?
Bah écoute, si tu connais la réponse, Ant, je te suggère de m'aider. Ah, attendez, il y a des coffres ici. Oh bien. Dommage qu'il n'y ait pas de clé. Faut une deuxième clé. D'accord, Quentin. Quentin White. J'essaie de trouver la deuxième clé du coup. Ouais. Ouais. Putain, deux clés pour ouvrir une porte, mais c'est chelou, hein. C'est vraiment chelou, hein. Toi, viens là. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. Hop. Où est la clé, bordel? La suite au prochain épisode. Arrêtez! La clé. Quoi, t'as vu la clé? Ah, y a une clé pour le cadenas et une clé pour la porte. Mais putain, là, il doit vraiment y avoir un truc de ouf derrière cette porte, en fait. Et là, le problème, c'est que j'ai tout fouillé, j'ai pas trouvé de clé, tu vois. Le bras de Thierry est toujours parmi nous. Oh! Le bras de Thierry essaie de nous parler. Qu'essaie-t-il de nous dire? On va le faire parler en le faisant souffrir. Salopard de Toshi! Même mort, tu me fais encore chier! Espèce d'enculé! Dis-moi où est la clé ou alors je te coupe la main. Oh! Ah, attendez, il y a un corps en dessous de ça. On peut pas enlever les briques, non? Ah, putain. Bienvenue, Chocapic! Peut-être un levier, alors. Toute la force est avec toi, tu trouveras ces clés. Non, mais là, c'est foutu. Là, c'est... Je vous le dis, hein. Je le sens, là. J'ai une sale intuition, là. Ouais. Non mais regardez, c'est abusé, franchement cette custom est cool, hein. Encore une fois je le dis, cette custom est vraiment cool, mais t'as trop de moments où tu dois chercher, et moi je suis pas doué pour ça. Mais ça m'énerve. C'est incroyable quoi. Le piano me manque un peu. Ouais, pareil. Je l'aimais pas ce piano, mais ouais, finalement, il commence à me manquer un peu quand même. Bon, écoutez, Croze. J'ai trop été bloqué ce soir. Ça commence à me gaver, mais vraiment, quoi. Je crois que dans les prochains lives, on va stopper les... Enfin, on va faire une pause de custom, hein, parce que... On dirait que je l'ai choisi assez mal. C'est dingue quoi, putain! Je jure, si la clé est derrière ces coffres, non mais. Non, ça va. Ils ont pas été aussi sadiques que je le pensais. Épreuve de confort pour l'immunité, attention. Toshi va vous faire une overdose de custom. Non mais c'est clair, je suis en overdose totale là. Je suis bloqué. Moi je suis sûr c'est un bug, hein. Franchement je suis sûr c'est un bug les croisants. Pour ceux qui ont le courage, allez voir un mec sur YouTube qui a fait cette custom. Mais moi je te parie que ce qui se passe là c'est qu'on bug, hein. Il y a un bug, hein, c'est pas possible.
Ah non, j'ai tout fouillé. Franchement, j'ai tout fait là. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Touchy, t'as retesté sur Dead Dream, voir si ça a marché. Non, j'ai pas retesté, mais j'y ai été deux fois il y a pas longtemps. Et il n'y avait aucun serveur, donc ça me fait un peu chier aussi, tu vois. Parce que bon, je l'ai quand même payé 15 balles et j'ai joué qu'une fois, enfin deux fois. Donc c'est un peu dommage, quoi. Ah! Il y a un truc là. Oh, ça serait pas un le. Oh! Faudrait pas mettre un levier là-dedans, les creuses? Regardez! Là! C'est bon, attends. Ok. Mais là aussi, il y en a. Il y en a plein, en fait. Non, c'est une connerie, en fait. Non, c'est une connerie. Non, c'est juste un panneau, en fait. C'est juste un vieux panneau pourri. D'accord. Ok. Bon, écoutez, Cro, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette custom. Parce que là, franchement... Je comprends pas. On va se laisser là. Je pense, attends, on va se mettre ici. Ouais, je pense qu'on va... Je suis désolé, mais je suis complètement bloqué, je trouve pas, j'ai tout fouillé, j'ai fait toutes les zones. Ça me saoule parce que j'ai quand même envie de trouver, j'ai pas envie de m'arrêter. Le nom de la custom, c'est Gary Dark Secrets. J'ai pas envie de m'arrêter, ça me saoule. Mais je trouve pas la clé. Donc, ouais. Donc on va se laisser là, je pense. Oh là là. Nom de la custom, c'est Gary Dark Secret. Gary avec un Y. En fait, c'est pas le perso, c'est Touchy qui devient fou. C'est trop ça, j'en peux plus, j'ai chaud. J'en ai marre d'être bloqué. Je vais mettre à jour les follow. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Gary Dark Secret. Ouais, c'est ça, Quentin. J'aurais vraiment pas trouvé les crocs, je suis désolé. C'est pas faute d'avoir essayé, vraiment. C'est pas faute d'avoir essayé. J'ai tout fait. Franchement, là. Il y a encore les sacs à patates que j'ai pas encore fait, mais bon. Je pense pas que la clé soit dans un sac à patates. Quoique, non. Je regarderai la vidéo pour la prochaine fois, du coup. Ok, ça marche, Quentin. De toute façon, moi, là, juste après le live, je vais aller voir où est cette foutue clé, parce que franchement... Oh non! Arrête! Attendez, il s'est passé un truc! Mais c'est bizarre, je l'ai fait ça tout à l'heure. Enfin, je suis venu ici, j'ai poussé la porte, il s'est rien passé. Et là, maintenant, il y a un truc rouge qui est apparu. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Attendez, je reprends espoir, mais en fait, non, ça change que dalle. Hein. Il y a eu un cri rouge. Oh, un os. Ouais. J'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de fouiller jusqu'au bout, je vous jure, ça m'énerve. Ça m'énerve de finir ma live sur un blocage, je vous jure. Ça m'énerve vraiment, quoi. J'aime pas du tout ça. Ouais, ça tombe là, je m'arrête alors qu'elle a 2 mètres de moi. Enfin, ça m'énerve. Bon, écoutez, allez, je touche plus au clavier souris. Les creuses, on va s'arrêter là ce soir. J'espère quand même que cette custom story vous aura plu hein, dans l'ensemble. C'est vrai qu'on a été bloqué plusieurs fois. Voilà, fallait s'y attendre, c'est une custom story d'Amnesia, c'est de l'anglais, voilà, c'est comme ça, il y a toujours des choses à trouver dans des grandes zones, mais là c'est vraiment abusé, les zones sont vraiment immenses. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu, Croze. J'avais que ça prévu pour ce soir, malheureusement, je pouvais pas enchaîner sur un autre jeu, mais elle nous aura quand même fait tenir 2 heures.
Moi je vais aller voir là, je vais aller voir juste après le live où est cette foutue clé. C'est un truc de dingue. Un cri rouge, c'est bon signe. Donc on va s'arrêter là, les crows. Portez-vous bien, merci au nouveau follow. Et merci à Hazard pour son petit don de 2€, ça fait plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine Toshi Sky Night. Moi je vous dis, je vais faire hop, échappe. Je vous dis à très bientôt les crows. Merci à tous de m'avoir suivi ce soir. C'était encore un très bon live, merci à tous. La rediff donc dispo demain bien sûr. Et puis voilà. Moi je vous dis, je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et puis ben à la semaine prochaine. Allez, ciao les crows. Ah, foutu clé, putain.